Christo a ton dieu na wembo mele bonne metse me chapa benanda chapa bosiu si ole jongle si ole kombo si ole tombe si mon touch me chapa benanda chapa bosiu si ole jongle si ole kombo si ole tombe si mon touch me Yesu Christo vous en ancré vous en gratuit vous en grande nene chapa benanda chapa bosiu si ole jongle si ole kombo si ole tombe si mon touch me chapa benanda chapa bosiu si ole jongle si ole kombo si ole tombe si mon touch me Pito presiente me, pito prevute ye, ti ele tsaure, ti ele kumure. Prepon karpate, karnen ten werte me, bonne kwante yege. Ti wule tsawere, ti wule kumwere. Chapa benanda, chapa bosiu. Ti wule jongle, ti wule kombo. Ti wule tombe, ti mon touch me. Chapa benanda, chapa bosiu. Ti wule jongle, ti wule kombo. Ti wule Tout au long de cette journée pour ce que nous allons faire. Bien faire ce que nous avons à faire. De combler la ville, Emmanuel, de toutes les bénédictions qui a travaillé 25 ans dans ton champ. Nous savons qui s'est donné comme il est en moi. Donc de le combler de toutes les bénédictions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Devant toi, je me rends.
nous allons procéder à une petite vente aux enchères, une petite vente dédicacée directement par l'auteur-compositeur lui-même. Vous voyez la beauté, regardez la beauté. Il est très beau, hein, l'abbé, là. Oh, je l'ai vu là, il est tout chaud, extraordinaire. Alors, on va commencer. Chacun va rentrer avec son CD. Chacun va pour encourager l'artiste. L'artiste. Et pour garder un souvenir des 25 ans, de la célébration des 25 ans de l'abbé Emmanuel. Vous pouvez acheter. Vous savez que nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté de l'eau, ils adorent, ils attendent seulement les CD de musique traditionnelle qui viennent du diocèse de Wafoussa. Vous le savez, vous achetez, vous leur envoyez ça. Ils vont être très, 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 très contents. Voilà. On va commencer, cher père, chère sœur, chère maman, chère frère. Mise à prix. Une mise à prix simple. Une des plus simples, plus moins chères. On va voir qui va prendre le tout premier CD. Il est à 1000 francs. Qui dit mieux? On commence à 1000 francs. 5000 pour le grand frère. Très bien. Il y a 5000 en jeu. Qui dit mieux? 5000 pour le premier CD. 8000. 8000. Voilà. 8000. 8000 francs. Monsieur Bernard Petit. On continue. 10000 pour le frère. 20000. Ha ha ha. J'ai une bonne liste. J'ai un 25 000, j'ai un 20 000, j'ai un 15 000, j'ai un 8 000 et j'ai un 5 000. Voilà les tout premiers. Qui dit mieux pour être plus haut? 30 000. Oh là là! Oh là là! 30 000. Il y a un 30 000, un 25 000, un 15 000, un 8 000, un 10 000 et un 5 000. Qui dit mieux? Qui va faire mieux? Qui va percer le plafond? Qui va percer le plafond? D'accord, on va d'abord distribuer. Mon père, s'il vous plaît, vous avez qui? Il y a le papa ici à 20 000. Le panier? Venez le panier. Qui a qui à 20 000? 10 000. Bon, monsieur, je vais payer pour 8000. Il y a 25 000. Il y a 25 000. 8000, c'est moi qui paye, c'est pour mon chef. Je dis donc. Il y a 10 000. Il y a 10 000 là-bas. Super. On va encourager l'artiste. C'est chaud. Oui, on va écouter un extrait du CD. Vous-même, vous allez confirmer la confirmation. Un petit extrait. Allez, debout, 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 debout.
l'abbé Emmanuel. Merci. Asseyez-vous, mon père. On va à la deuxième série de dédicaces. Deuxième série de vente d'CD. J'ai dit, chacun, je suis venu avec 500 CD. Et ça doit finir. La réputation de cette paroisse est jusqu'ici à la mesure de ce qu'on dit. 1000 francs, deuxième série. 1000 francs, s'il vous plaît. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Il est présent. Il est présent. Voilà, musicien aussi. Où sont les Laurentiens, Laurentiennes? 2000 également. 3000. 3000. 2000, 2000, 3000. S'il vous plaît. 10 000. 10 000. On ne regarde pas. On ne regarde pas. On ne regarde pas. Hey. Merci. 10 000. Qui dit mieux? J'ai 2 000 et 1 3 000. C'est la deuxième série. Je salue la présence d'un autre père musicien, l'abbé Philippe. Les musiciens accompagnent les musiciens. Oui, monsieur. 15 000. Directement d'accord. Merci d'avance. On a ce souvenir d'accompagner les artistes. Vous savez, c'est extrêmement. Merci. Payer, c'est livré. Livré. Allez, prends d'abord les trois CD. Il y avait 2 000 et 1 avec 3 000. C'est le code de la langue. Les autres, ils sont devant mon père, devant. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. 5 000. Pardon? 5 000. Bravo, 5 000. Nous sommes à 5 000 francs, merci beaucoup. D'encourager les artistes. Merci. On continue. Nous sommes déjà là. Le traité est là. C'est là. Tu connais l'abbé Emmanuel. Lui, tu le connais comment? Tu es là. Il a fait piquer la carrière. Yeah.
lors de cette fête. Nous allons continuer avec la dédicace du CD produit par l'abbé Emmanuel. L'acte de cœur de la chorale diocésaine. C'est moi qui ai préparé la chorale pour son ordination. Applaudissez aussi pour moi. Je ne pouvais même pas manquer. Elle avait ses chiffres. J'avais préparé la chorale. 3 mois. Le Seigneur est pour ce grand événement. Superbe, superbe événement. Alors, en attendant que les artistes s'installent là avec leur matériel, nous allons passer à la troisième phase de vendre acheter des CD à des prix, à un prix plus bas pour pouvoir le distribuer aux amis, envoyer aux amis en France, à la famille, etc. Pour acheter un peu plus. On va les voir, on va les écouter et nous allons suivre la dédicace et la vente du CD dans quelques minutes. Merci.
Ils annoncent à tard et à autre tard la bonne nouvelle du salut. Implorons le Tout-Puissant. Thank you.
de chanter un hymne à ta gloire et à ta gloire, Seigneur, Père infini de bonté. À la parole de ton Fils, annonçant l'évangile, tu as rassemblé ton Église de toute langue, peuple et nation, et tu ne cesses de le vivifier par la force de ton esprit, pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume, et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les sages de Christ, Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toute la puissance des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix ce cantique qui avait jailli du cœur comblé de joie de la Vierge Marie, pour qui j'ai un attachement particulier et qui a obtenu de son Fils Jésus-Christ beaucoup de grâce pour moi. Le Seigneur est pour moi
accorde de tout cœur la bénédiction apostolique à l'abbé Emmanuel Manfo, à l'occasion du 25e anniversaire de son ordination sacerdotale. Il éteint à tout ce qui finit à son action de grâce à la paroisse Saint-Laurent de Bafou en ce 5 novembre 2022. Faisons libre cours. Nous laissons donc libre cours à tous ceux qui ont prévu des cadeaux individuels pour le père Emmanuel Manfo. Chorale. Mon ami.
Distingués invités en vos rangs et grades respectifs, chers frères et sœurs paroissiens de Saint-Laurent de Bafou, de la cathédrale Saint-Joseph de Valais, de Saint-Jean Bosco de l'Aumônerie, de Saint-Jean-Marie Vianney de Fouquet, de Saint-Jean-Baptiste de Tonga et de Notre-Dame de des Douleurs de Bagamté. Peuple de Dieu venu de tous les horizons, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Ce jour de grâce que fit le Seigneur est pour nous aujourd'hui jour de fête et de joie. Je dois reconnaître avec vous que le temps passe si vite. Je me souviens encore comme si c'était hier de la grande mobilisation et des cérémonies qui ont marqué notre ordination sacerdotale. Avec mon collègue Jumeau, l'abbé Serge Chinda qui est ici, l'abbé André-Marie Kenny et le père Jean-Marie Simi. Le 9 août 1997, en la cathédrale Saint-Joseph de Palenque, ainsi que la célébration de mes prémices le lendemain de ce jour dans l'église Saint-Jean de Bangan. En effet, il y a 25 années, 9 août 1997, 9 août 2022, et quelques mois, que je n'ai cessé de célébrer et de réitérer mon fiat, c'est-à-dire mon oui, au projet d'amour de Dieu sur ma modeste personne, en me mettant résolument à son service, tant dans l'Église que dans la société. Ma joie est d'autant plus grande, plus débordante aujourd'hui, lorsqu'après tant d'années vécues dans la vie du Seigneur, avec des hauts et des bas, je puisse me rendre compte de par votre grand nombre et surtout la joie qui transparaît dans vos cœurs à cette messe d'action de grâce, je puisse donc me rendre compte combien je suis aimé, combien à mes côtés vous êtes toujours prêts à me soutenir, à aller de l'avant, combien je peux encore compter sur chacun de vous pour le restant de temps que Dieu m'accordera sur cette terre. N'est-ce pas là pour moi, frères et sœurs, une raison de plus de lui dire merci? Je sais combien vous avez abandonné les activités pour être ici et me consacrer cette journée. Chantez avec moi ce cantique. Alléluia! 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 Merci. Jusqu'à la tombée de la nuit. Permettez-moi donc, en votre présence, de rendre grâce au Seigneur Tout-Puissant, non seulement sur ma petite personne, ou en faire son serviteur dans la lignée du sacerdoce de Melchisédek. Ma gratitude va aussi à l'endroit de Monseigneur André Houkin, de regretter mémoire, de vénérer mémoire, qui a bien voulu, par l'imposition de ses mains sur moi, attester cette élection divine. Un merci particulier à nos seigneurs Joseph Atanga, Dieudonné Kwakio et Paul Antikene, pour leur sollicitude paternelle, pour les conseils qu'ils m'ont toujours prodigués pendant ces années écoulées. Je m'en voudrais, et même énormément, si je poursuivais cette série de gratitude sans faire un clin d'œil à mes parents, papa Mélie François, Tita François, maman Madeleine Thomas, qui, ma foi,
communique depuis le haut du ciel à ce grand moment mémorable marquant mon jubilé d'argent sacerdotal. Je remercie aussi grandement ma famille tout entière, mes frères et sœurs, qui ont abandonné leurs multiples tâches, ô combien importantes, pour venir me soutenir comme d'habitude et rehausser l'éclat de cette fête par leur présence physique. Par leur présence physique, effective et affective. Mes chers frères et sœurs, membres de ma famille naturelle, vous avez toujours su répondre présent à toutes mes sollicitations. Que de fois, vous avez apporté votre soutien multiforme partout, dans toutes les paroisses où le Seigneur me confiait une mission. Vos traces sont dans toutes les paroisses où je suis passé. En leur présent, cela montre à suffisance que vous avez compris qu'un bienfait ne se perd jamais et qu'en donnant davantage à Dieu, on reçoit beaucoup de lui. Et en regardant de près, vous pouvez vous rendre compte que le Seigneur vous bénit pour cette générosité vis-à-vis de votre frère que je suis. Que le Seigneur continue donc de vous combler chacun de ses grâces en abondance. Un merci spécial à la grande communauté chrétienne de Bafou et même au groupement Bafou en général, qui m'a adopté comme un fils bien-aimé depuis que j'ai été envoyé au milieu d'eux. Ensemble, en peu de temps, nous avons déjà vécu des moments pour moi inoubliables. Nous avons entrepris de grands projets au sein de l'Église, dont beaucoup sont déjà en cours d'achèvement. Pour ne prendre que l'exemple de cette belle église, que dis-je, de cette basilique en rénovation. Et ceci grâce à votre dynamisme, grâce à votre générosité toujours inventive, votre sens du travail bien fait. Oui. Vous, les Bafou, vous êtes un peuple qui mérite beaucoup d'éloges et beaucoup de respect. Je voudrais surtout vous dire de m'avoir accepté tel que je suis et de m'avoir toujours fait confiance dans des initiatives que nous avons pu prendre malgré nos limites. Dans le même sens, je remercie tous les paroissiens des différentes paroisses où j'ai exercé à Notre-Dame et cet honneur de paternité. À Saint-Laurent-de-Bafou, en passant par Saint-Jean-Baptiste de Tonga, notre Jérusalem, qui est devenu par ailleurs mon deuxième village. Saint-Jean-Marie Vianney de Fokwe, Saint-Jean-Bosco de Jérusalem, et je termine par la cathédrale, la grande cathédrale Saint-Jean, qui est grandement ici représentée. Bien évidemment, sans oublier les membres de la commission diocésaine de la famille, avec qui nous faisons un travail formidable, à qui je dis merci pour le dynamisme de ces membres. À tous les, ceux avec qui nous avons travaillé pour animer la route, les jeunes du diocèse, à mes familles adoptives, à mes fils spirituels, mes bienfaiteurs et mes confrères prêtres, les religieux, les religieuses, avec qui nous cheminons au quotidien. À vous tous, venus des horizons variés de notre planète, pour me manifester votre sympathie, vos encouragements, recevez ici mes remerciements les plus distingués. Je voudrais saluer particulièrement
les membres du comité d'organisation de la fête que nous vivons aujourd'hui. Et ainsi que le travail qu'ils ont abattu, surtout pour ce journal avec lequel ils m'ont surpris. Et également pour les nombreuses contributions qui sont venues d'ici et de là pour que nous puissions organiser cette fête. Je ne saurais clore mon propos sans toutefois accorder mon pardon à toutes les personnes qui, consciemment ou inconsciemment, ne m'ont pas toujours rendu la tâche facile dans l'exercice de mon ministère sacerdotal. Et compte tenu du fait qu'aucun homme n'est parfait, c'est aussi pour moi l'occasion de demander sincèrement pardon à toutes les personnes que j'ai dû offenser pendant ces 25 années. Soit par mes paroles récentes, soit par mon caractère parfois colérique, soit même par des actes de faiblesse que vous avez pu observer ci et là et qui ne vous ont pas toujours honoré. Par la même occasion, je vous supplie beaucoup de prier pour moi afin que je demeure ce prêtre selon le cœur de Jésus, toujours prêt à vous servir, à servir le Seigneur, à servir son Église en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Je nous confie enfin à la maternelle protection de la Sainte Vierge Marie, Mère de Jésus et notre Mère, qui nous soutient efficacement chaque jour et qui continuera de présenter nos humbles supplications auprès de son Fils. En tout et pour tout, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous remercie. Je vais clore cette intervention en invitant Samuela et son épouse à venir ici devant. Il s'agit de M. Mouafoui, le président de la commission de marketing, de collecte de fonds pour l'Église que nous voyons, pour les travaux de l'Église que nous voyons. Il est la tête pensante, il est la tête de groupe derrière avancer les travaux de l'élaboration de notre Église. J'invite maman à venir aussi, je demande à la mère. C'est un honneur et une fierté en même temps de prendre la parole dans cette église, j'allais dire dans ce chantier en transformation pour célébrer, n'est-ce pas, le 25e anniversaire de notre cher l'abbé. Souvent, je ne prends pas beaucoup de paroles en public. Et souvent, je refuse de jouer certains rôles, un peu comme le chef de collecte des fonds pour l'Église. Souvent, je me refuse de le faire. J'ai accepté cette mission et j'ai accepté de prendre la parole ici aujourd'hui en même temps. Parce que l'occasion était exceptionnelle, la célébration de 25 années
sacerdoce à un lieu exceptionnel qui est la maison de Dieu et pour un nom exceptionnel qui est l'abbé Manfou. On s'est connu très exceptionnel, raison pour laquelle je suis. C'est difficile que je ne refuse quelque chose. Très difficile. On s'est connu lors d'un voyage de Atlanta aux États-Unis pour Yaoundé. On se retrouve à l'aéroport d'Atlanta. On devait prendre le vol Air France. On annule le vol. On annule le vol. On s'ennuie. Je suis avec mon épouse et les enfants. On nous réembarque dans un vol Bruxelles Airlines. À l'aéroport, je suis avec mon épouse. Elle me dit, il y a un monsieur là qui nous regarde beaucoup. Peut-être qu'il nous connaît. Je dis, quel monsieur? Il dit, depuis plus d'une heure, il est très attentionné à nous. Il ne fait que nous suivre. Je dis, c'est quel monsieur? Tu ne vois pas le monsieur là? J'ai dit non, mais il ne ressemble même pas à un Camerounais, toi aussi. C'est ce que j'ai répondu à mon épouse. J'ai dit, mais il ne ressemble même pas à un Camerounais, toi aussi. Ouais. Non, mais il est très attentionné. J'ai dit, ah, c'est un voyageur comme tous les autres. On embarque à Bruxelles, il faut prendre la porte vers la direction de Yaoundé. Je vois quand même monsieur, mon épouse dit, mais. Voilà le monsieur, je t'ai dit que c'est un Camerounais. Tu as le brisé, voilà qui a le goût derrière nous. Et non. J'ai dit, mais comment? Il dit que non, peut-être que les gens vont me voir quoi. Puisque je parle beaucoup à toi avec mon épouse. On parle beaucoup à toi. Je vois la bière, c'est lui qui veut le premier pas. Il vient vers nous. Il me dit, vous êtes Camerounais? On dit oui. Et, ah, parce que depuis à Atlanta, je ne fais que vous suivre, je ne fais que vous regarder. Je dis, ok, je suis américain, les gens. Il dit, ah bon, je m'appelle Moifo. Il dit, ah, quelle coïncidence, moi aussi je m'appelle Moifo. Il dit, je suis à Bakoussa. Je suis prêt, il n'était pas habillé à ma vie, le frère, ce jour-là. Je suis prêt à Bakoussa. Je dis, je suis entrepreneur et homme. Et je suis du village Bof. Honnêtement, depuis ce jour, on ne sait plus ce qu'on est. On ne sait plus ce qu'on est. Et on s'appelle homonyme, homonyme. Il m'appelle Homo et je l'appelle Homo. Un beau jour, mon téléphone sonne. Il me dit, Homo, bonne nouvelle. Je dis quoi? Il dit, on m'a envoyé chez toi. Je dis, où? Il dit, à Bof. Honnêtement, l'abbé, sans que j'ai beaucoup de fleurs. Un musicien dit, avoir un homme, c'est très facile. Mais avoir Marie, c'est très difficile. Avoir un prêtre, c'est très facile. Mais avoir un prêtre bâtisseur, c'est très difficile. Ah oui. Ah oui. Nous, dans ce village et dans cette église, dans cette paroisse, cette belle paroisse, nous avons eu des prêtres. Mais Dieu nous a donné un prêtre. Vous voyez ce projet. Beaucoup de prêtres l'ont étudié, mais d'une manière théorique. Parce qu'entre la théorie et la pratique, il n'y a pas match, comme les enfants disent. Entre la théorie et la pratique, même vous, quand vous voulez construire votre propre maison, c'est bien beau, on fait le plan, on fait ceci, mais avoir le courage d'attaquer, avoir le courage d'y aller, l'abbé, merci beaucoup, merci de ton courage, merci de ton inspiration. Nous sommes prêts à t'accompagner. Personnellement,
seulement moi, parce qu'on a toute une histoire. Et le jour où tu m'as dit, oh, préside-moi la commission de construction, je n'ai pas lésiné sur tout, je peux le dire, et je ne lésinerai pas. Nous sommes prêts à t'accompagner. Ce que nous prions, et moi personnellement, je sais qu'on vous affecte beaucoup les prêtres. Je prie qu'on te laisse encore un peu ici. Pour que tu achèves ce que tu as si bien commencé. Je sais, on vous affecte beaucoup. Bon, nous on va prier. Mais si jamais c'est pour aller dans d'autres cieux et revenir un jour, peut-être comme évêque, vous inaugurez cette église. Mais je ne vais pas trop parler. Tu sais, je ne suis pas un bon orateur. Et si je vais en parler, je vais prendre beaucoup de temps. Je prie seulement les uns et les autres, les gens de bonne volonté, comme la vie, de mettre un peu la main dans la bouche, peut-être celle de derrière, parce que les vraies choses, on les cachera à la bouche derrière. Et faire un geste de cœur pour que ces travaux ne s'arrêtent pas. Vous voyez que on venait à peine de violer. On a encore les ouvertures à mettre. On a le plafond. On a les carreaux. On a la peinture. On a les aménagements extérieurs. Donc, un petit geste de cœur pour vous sera un très grand geste pour vous. Amen. Je te remets la parole. Comme aussi m'a eu. Je vais te donner la parole pour que tu parles de la collecte pour l'église. Mais tu vas tellement lancer les fleurs que je vais te recevoir des flèches après. Je voudrais vous dire merci, infiniment merci. Merci beaucoup. Je souhaite que le Dragon Fou, quoi que le Dragon Fou ait une annonce à faire pour les travaux de cette église. J'ai senti tout à l'heure qu'il voulait dire quelque chose. Papa, voilà. Pardon. Je veux simplement dire, nous,
la petite communauté chrétienne de Mbar. Nous décidons de faire la propriété et l'élégance de l'hôtel. Notre fils veillera à ce que ce soit un très bel hôtel du fait de sa propriété et de son élégance. Merci. Merci, honorable. J'ajoute juste un peu de chance à ce que mes deux homonymes ont dit. Je demande une fois de plus à mes frères de mettre la main dans la poche. Je sais que vous allez le faire. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont des euros. Je demande aussi à toute la communauté chrétienne de mettre la main à la pâte. Il faut qu'après cet événement, on sente qu'il y a eu un événement dans cette église. On verra les travaux avancer de façon exceptionnelle encore. Merci d'avance. Ok, tout à l'heure, nous allons nous retrouver
juste à côté. Et le père Emmanuel a voulu communier avec tous ses invités. Que personne ne rentre sans s'arrêter dans sous cette tente. Il y a des places sont réservées pour chacun. Le protocole est là et ils vont conduire chacun à sa place. Donc, merci de suivre toutes les instructions qui vous seront données juste à l'entrée. Donc, pardon, que personne ne rentre sans s'arrêter, je vous en prie. Ce sont les recommandations du père Emmanuel. Donc, il y a pour tout le monde. Et il veut que tout le monde communie avec lui, s'il vous plaît. Nous vous disons merci. Et s'il y a quelques imperfections, au nom du comité d'organisation, nous vous demandons pardon. Ok, merci beaucoup, merci d'être venu. Merci. Objet, félicitations et encouragements. Révérend Père, en ce jour exceptionnel pour vous et pour vos proches, où vous rendez grâce à Dieu pour vos noces d'argent d'ordination sacerdotale, que le Seigneur rende de plus en plus fructueux votre ministère. Dans votre ministère sacerdotal, je prie pour le Seigneur de vous donner d'être sans cesse habité par la ferveur et le désir d'apporter le Christ aux autres. Soyez toujours soucieux, chers frères, de rencontrer entièrement Dieu, d'évangéliser votre communauté chrétienne, de prier avec insistance pour les vocations sacerdotales et religieuses. Souvenez-vous toujours de votre baptême et gardez en mémoire que votre premier appel est celui à la sainteté. Sans prière, la vie sacerdotale est stérile. Gardez toujours la proximité avec Dieu, avec votre évêque, avec le presbytérium et avec le peuple de Dieu. La vie sacerdotale, cher Père, est une vie destinée aux autres et à Dieu. Posez-vous sans cesse cette question. Comment vont mes proximités? Ayez le style de Dieu qui se fait proche avec compassion et tendresse. Notre Dieu est amour et son esprit remplit l'univers. Confère Romains chapitre 5, verset 5. Qu'il habite votre cœur et féconde votre prière en ce jour de grâce. C'est toujours l'occasion de penser aux personnes qui ont joué un rôle décisif pendant vos années de préparation au sacerdoce ministériel et à tous ceux qui vous encouragent sur ce chemin du service, dont le témoignage de foi vous donne d'apprécier profondément la beauté du sacerdoce et sa magnificence pour le monde. Je me joins à tous ceux qui sont venus vous entourer de leur affection pour vous rassurer de mes prières pour un ministère fructueux et épanoui. Qu'il me soit permis, en cette circonstance joyeuse, de vous adresser mes vives félicitations et mes encouragements. Je vous porte en prière afin que ce verset du psalmiste, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut », votre devise d'ordination, soit sans cesse votre boussole pendant votre ministère sacerdotal. Puisse l'Esprit du Seigneur, protagoniste par excellence de l'évangélisation, vous accompagner et vous aider à œuvrer, sans vous lasser dans la vigne du Seigneur, pour l'avancement du règne de Dieu. Je vous accorde de grand cœur ma bénédiction apostolique, ainsi qu'à tous ceux qui participent à cet événement de grâce, fait à Bafoussam le 5 novembre 2022, signé Son Excellence Monseigneur Paul Lantikele, évêque de Bafoussam. D'espérance et
de charité, travaillez comme de bons ouvriers du royaume et préparez vos enfants joie de la vraie vie. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
de nous avoir rassemblés ici à la Papa Saint-Laurent de Bafou en ce jour pour célébrer tes merveilles. Daigne bénir ce repas que ta bonté nous offre à travers les généreuses personnes qui y ont contribué, qui l'ont concocté. Bénis chacun de tes enfants ici rassemblés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon appétit, oh! Il les a formés, il les a ordonnés. On parle beaucoup.
Kato est là. Jacques va servir lui-même l'honorable. Voilà. Jour de grâce, jour de fête à Bafou. Jour de grâce, jour de fête à Bafou. N'oubliez pas votre CD, n'oubliez pas le CD. Le CD est là. Voilà, merci beaucoup, à la santé de tout le monde. À la santé. Oui, merci. Nous, on est là aussi, hein. On est aussi là, pardon. Dans le monde entier. Célèbre dans le monde entier comme étant un champagne de qualité, un champagne d'honneur, un champagne pour les grandes cérémonies. Voilà. On va applaudir encore fort pour le poète de Chandon, pour le champagne, pour l'élégance, l'élégance. Oh là là. Waouh. Oh là 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 là. Merci honorable. C'est bon, hein? C'est bon. Merci.